Bonsoir, Dibou, messieurs, vous allez bien justement. Bonsoir. Ah bah fais vite parce qu'à 22h on se débarrasse de toi justement. Et pourquoi t'es affreux comme ça? Bah rien, parce que tu me parles alors je te réponds. Mais t'es une abomination ça. À 22h tu te débarrasses de moi? Oui. Red Dead Redemption 2, je passe mes plus belles heures sur ce jeu. Le jeu est magnifique. J'espère que tu l'as acheté avec mon code créateur MRBBoy45Y. En plus, c'est un peu moins cher. D'ailleurs, Jojo, hein, petite chienne que tu es, n'est-ce pas? J'espère que tu as utilisé mon code si jamais tu as acheté Red Dead. Ah, je l'ai pas encore acheté, mais dès que je l'achète, bien évidemment, le code MrBBoy45Y sera rentré dans les plus brefs délais. Bon, bah, n'hésite pas à nous. Non, non, y a pas de problème. Sur Fortnite, et vous avez passé un bon week-end ou pas? Ouais. Loulou est sorti pour la première fois en 7 ans. Mais non, Loulou, t'as été sorti où? En plus, il a vécu un enfer. C'est la première fois qu'ils voient le monde extérieur. Toutes alors, les meufs de la soirée étaient casées, gros. Elles étaient toutes assises sur leur mec. Sérieux? Mais non, c'est vrai, Loulou? Non, j'étais un ami d'un pote, ouais. Voilà. Voilà, sympa. Super la soirée. T'as acheté quoi à ton pote? Rien. Ouais, non, t'es pas le bon plan, toi, pour les animes. Hein. On va pas compter sur toi. C'est génial, t'es venu les mains vides? T'es vraiment venu les mains vides? Même pas une bouteille, même pas un paquet de chips? Rien du tout? Non. Mais bah, t'es un fils de pute. T'es vraiment un fils de pute. Même pas une taille de coca, frérot. Genre même pas du cacolac? Même pas un paquet de bonbons, t'sais, des faux dragibus à 40 centimes. Ouais, même pas les faux dragibus, c'est de la pierre. Hein. Nada, même pas une plante que t'aurais arrachée à l'entrée de la maison. Même pas un truc comme ça. Même pas une mèche de tes cheveux, quelque chose, rien du tout. Mais Louliane, que dalle, ça se fait pas. Il faut que t'apprennes un peu les codes en société. Quand t'es invité quelque part, tu ramènes. Mais genre un paquet de chips pour dire un Monster Munch pour dire que t'as participé. T'avais déjà tout acheté, gros. Mais ça veut rien dire, ils avaient tout acheté. Un anniversaire, tu viens forcément avec un truc dans les mains. Bah ouais, non mais les gars. Non mais j'imagine trop la teuté Loulou quand le gars il ouvre la porte et Loulou il fait ah bah joyeux anniversaire. Mais il a les mains vides. Même quand tu dis aux gens ramenez rien, le mec à ton anniversaire, tu viens forcément avec un petit sachet. Et dedans, non mais dedans il y a un paquet de cacahuètes. On s'en branle, c'est l'intention. Bon, c'est surtout le geste en fait. Mais lui, la vie de ma mère, il a sonné à la porte. Il y avait rien. Le gars, il a regardé ses mains. Il s'est dit, mais quel bâtard celui-là. En plus, ce que j'avais dans les mains, c'était une bouteille d'alcool. J'avais pas, même pas moi. Oh là là, mais t'as le mec qui l'a apporté, c'est toi qui la tenais quoi. T'es une honte. Il sait qu'il est honteux ce chien. Regardez, écoutez-le. Putain, Lugan. Heureusement que toutes les meufs étaient déjà casées. Tu méritais même pas de serrer ce soir là, frérot. Putain, t'es honteux, Loulou. Mais les meufs, elles l'ont vu arriver les mains vides, elles ont fait peur. Ah, mais c'est quoi ça? Mais c'est honteux, c'est honteux. Sans déconner, quand j'ai fait de la nature pour ce chien. Non, mais Loulou, il est à fond. Pourquoi tu urines sur les gens comme ça? Avec de l'urine très chaude et encore macérée. Bien, tu sais que toutes les meufs se sont concertées, ont parlé dans ton dos ce soir-là. Ouais. Elles ont fait du slut shaming. T'es au courant que toutes les meufs te regardaient de temps en temps et chuchotaient dans l'oreille de ses copines? Ouais, en disant. Regardez le pauvre. Regardez, alors qu'il travaille. Et il travaille ce bâtard, c'est ça le pire en plus. Mais il y a rien qui va, mais Loulou, mais. Eh, rappelle-moi de jamais t'inviter à un anime enculé. Rien, mais rien. C'est vraiment l'ami de la honte, putain, rien qui va. Si vous trouvez un canon, je le prends parce que je suis énervé. Un canon à soin. Je ne sais pas vraiment quoi dire ce soir. Ouais, j'ai envie de couper le live et d'aller au lit là. Genre, je suis outré, choqué. On peut pas accepter des gens comme ça dans la B-Boy Corp. Tu représentes la B-Boy Company Corporation. Et nous, on a tous le cœur sur la main. Entertainment. Et nous, on a tous le cœur sur la main. Mais toi, Loulou, qu'est-ce que tu branles? Comment tu peux être identifié à nous, petit bâtard? Sûr, t'as pris des cacahuètes, t'avais les doigts gras un peu après, en soirée. Ouais. C'est sûr. Non, par contre, je suis sûr que des cacahuètes, t'en as bouffé, sale chien. T'en avais plein la gueule. Ouais. T'as bu combien de verres, Loulou, à peu près là-bas? Pas d'alcool, hein, de verres en tout. Je vois pas d'alcool. On s'en bat, la vie n'est pas de l'alcool, gros, calme-toi. T'as bu combien de verres en tout? Je sais pas. 5-6. Ouais. Une bouteille à toi tout seul. Non, en plus, tu siffles les bouteilles des autres. Mais t'es honteux. Et des petits gobelets, ça va. Non. Il a fait des histoires de coca, ce bâtard. Mais gros, c'est honteux. Mais gros, un paquet de cacahuètes, ça vaut 2 euros, frère. Au moins, t'as fait plaisir, t'as participé. Un paquet de pistaches, allez, soyons fous. Allez, t'as pas de thunes, soyons fous. Des pistaches. Mais au moins, t'es en mode, j'ai participé. Il peut rien te reprocher, ton pote, tu vois. Mais là, ça veut tellement parler sur toi. Regardez, je l'invite à mon ami, il ramène rien. C'est vraiment une merde. Merde. Tu vois, finalement, je suis content de partir à 22h pour même plus être en ta présence. Je suis même content parce que là, c'est trop. C'est non, trop. Tu nous as outrax. On est choqué. Vous en pensez quoi, le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez, les gars, ça sonne chez vous. Vous fêtez votre plus bel anniversaire. Vous êtes trop bien. Et là, il y a un gars, il ressemble à un caillou, frère. Il sonne chez moi. Il a du mal à sortir de sa Pokéball, tu vois. Et il fait, c'est ici la soirée, on rentre pas où. Il a rien dans les mains, les mains vides. Vous faites quoi? J'appelle les flics, on est d'accord. Le mec, en plus, il a un boulot, mais gros, il est grave bien payé, hein, ce bâtard, hein. Il est grave bien payé, hein. Il a pas les règles de base de la vie en communauté. À aucun moment il s'est dit, ouais, c'est peut-être gênant que je raconte ça.
Non mais c'est ça que j'aime bien d'un côté, c'est qu'il raconte, il s'en bat les couilles, hein. Bah ouais, je suis avec rien. Il s'en branle total. Il chie sur ses potes. Et y'a rien qui va, putain, c'est pas possible. Il habite à côté de chez toi, Loulou, le mec? Ouais. Et bah, dès que tu touches ton salaire, tu lui fais un petit Uber Eats, là, tu livres un McDo, fait tiens. Bah, y'a plus de droit qu'il y a Uber Eats, là-bas. Voilà. Bah oui. Bah ouais, y'a Radioactive Eats, c'est tiens, là. Non, mais... Ah bah franchement, on rigole bien. Et t'as quitté à quelle heure, la soirée, à peu près? 4h. Mais en plus, tu les as gênés toute la nuit, quoi. Non, il est resté juste. J'ai rien vu. Ouais, il est fils de pute, il vient les mains vides, il reste au bout de la soirée, gros. Il a pas l'impression d'être gênant, frère, tu vois, il est. Loulou, je crois que j'aimerais l'inviter à mon anniversaire finalement. Et qui, je lui dis surtout, Loulou, viens comme tu viendrais à un anniversaire au calme. Viens sans pression, te mets pas de pression, viens. Les gars, fallait qu'on tue du monde à Whooping Wood, on va croiser personne. Bah ouais, on est tout seul. On a tout pété en tout cas. Dis, viens, il joue à Fortnite ton pote? Non, mais. Tu lui offres un petit skin? Non, mais le cadeau, c'est un cadeau commun. Mais oui, mais t'as rien mis quoi? Après rien, non, mais. Et y'a rien qui va. Ferme-la, Loulou, quand c'est ça, ne continue pas. Ah non, Bibouille, est-ce que je peux passer juste un petit message pour remercier un follower, enfin qu'on a en commun, un viewer de l'ombre. Non mais gros, attends. T'as cru que t'étais sur TF1 ou t'es là? C'était pour remercier juste Matou, Matou, donc Touma, voilà, de son intimité. Il le fait quand même, juste ce bâtard. Apporté d'un truc des États-Unis. Voilà, donc je remercie. J'en ai rien à branler, mais t'as cru que t'étais où ici là, gros? J'ai le droit de remercier. Tu diffusais comme ça des annonces Pôle emploi, c'est bon, est-ce que je peux remercier ma grand-mère pour la tarte au poireau ce week-end? Il est malade ou quoi, lui? Putain! Bah, eh, va au bout, dis-nous au moins ce qu'il t'a offert, espèce de petit bâtard. Attends, y'a un mec. Demi-tour, on les attend dans la zone. Il est là, putain, il va m'enculer. Mais non, cours dans la zone. J'ai pété son armure. Deux morts. Oh, y'en a un là encore. Le dernier. Jojo, c'est moi, gros. Non, Joris. C'est où? Non, mais Jojo, il t'a offert quoi au moins? Dis-nous là, parce que je suis à deux doigts de battre. Justement, c'est un truc que je pouvais pas avoir en France. En fait, c'est un support de fixation pour un Red Dot Endpoint, tu sais, pour mettre sur les R15. Et en fait, c'est un truc tout con, c'est pas interdit d'import ou quoi, mais il ne livrait pas en France. Loulian! D'où tu vas aux anniversaires sans cadeau? Réveille-toi, Loulou, hein, merde. Ouais, réveille-toi. Les meufs, elles étaient fraîches au moins? Ça va. Et elles étaient toutes prises alors? Il y en avait même pas une petite pour toi? Ou un homme, ou un animal, ou un caillou, tu sais, on s'en fout, mais gros, l'important c'est que tu t'amuses, Loulou. Info, Loulou? Devant moi. Et ben voilà, j'ai pris ma D'accord, ça marche bien ça. Ah non, mais là c'est in da sauce, faut courir. Hein, ah, je m'en pas. Non, courir, les gars. Il faut pas se battre. Loulou, Alfouille, Riri. Bah, je suis là, moi. Ah non, je dis rien, bon. Mais. Non, mais c'est Jojo et. Non, bah, les gars, vous êtes morts. Ah, ils m'ont eu, moi. Mais les gars, non, mais. Ils étaient sur ma couenne, hein. Les quatre. Tu sais que je l'avais fait avec amour, hein, cet homme. Ah bah, je l'ai fini avec amour. Oh, fils de pute. Très bien, gros. Sale fou, va. Oh, les gars, il y a un lance mes couilles là, si vous voulez. Ah, bah, vas-y, je prends. Oh, mais gros, préviens juste. En plus, on est dans le petit shuriken. Je te soigne, gros, t'inquiète. Casse les couilles. C'est ce qu'on fait Jojo, je crois. Ouais, c'est là-bas. Ouais, on s'en va. Jojo est mort dans d'atroces souffrances et il le méritait. Tu peux me soigner une dernière? T'es méchant ce soir, je le sens. Oui, je suis t'es très malveillant, je prends ma part. Ouais. Vous avez des roquettes? Oui, que je finisse l'œuvre de Joris? Non. Attends, c'est un mec ça? Moins 20, j'ai mis. Loulou, t'es tout seul des deux, laisse tomber, reviens en arrière. Major laser, à terre. Ouais, y'en a un que. Ah bah GG, tu l'as fini. Info Loulou. Ouais, Loulou, c'est un que j'ai touché. Je suis descendu. Il y a des trucs là. Que dalle, attends, que dalle. Non, mais que dalle. Il y a des largages et tout, frère. Mais on y va vite, def, non? Ouais, vas-y. Bon, j'ai plus de bol derrière. Viens, Loulou, tu la joues solo là, viens. Oh, t'inquiète, je suis couvert. Il dit, t'inquiète, il va prendre sa mère. Hein. Ouais. Ouais, que de la merde. Largage à droite, hein. Donc, du monde à droite, les gars. Wow. Oh! Ah bah ça gros! Personne a pris, hein! J'ai entendu le bruit, mais personne a pris, hein! Ah ouais, t'as pas pris? Ah, il y a un canon en bandage, gros! Direction 30! Bah ouais, mais. Oh vache! Ouais, ils sont à 2! Ouais, dans la sauce! Ah les gars, my bad! J'avais fait le boulot au début, et après c'est vrai que j'ai disparu, quoi! On a tous connu un mec quand il parlait, il faisait des bulles, non? Ouais, tellement il avait de la bave, tu vois, ou pas? À côté de la bouche et tout là! Oh non, pourtant gros, mais ouais. Oh. Oh bah il a pris sa mère. Oh bon. Voilà, c'était un peu tard, mais. Bon là, gros, si tu arrives, t'es un Stormtrooper, hein, oublie pas que c'est pas visé, gros. Va-t-il le faire? Est-ce que vous. Eh, Loulou, ils sont plus que deux. Ils sont plus que deux, Loulian. Loulian! Est-ce qu'ils sont ensemble, tu vois? T'as un largage juste à côté de toi. It's Loulian for two in what situation?
Ah bah, tu sais où est le dernier, il est dessus. Il sait pas que t'es là. Oh putain, ça c'est pas mal ça gros. Attends, attends le bon moment, attends le bon moment. Peut-être c'est pas le bon moment. Il a blessé, il a blessé. Bon, il a pris sa main, il a pris sa main. Pas mal ça. Bien ça. Ah. Il a pris l'ascendant. Hop, on redescend en bas. Et voilà. On... Ah bah là il a plus construit. Ah il veut que tu go harpon, bâtard. Il fait tellement... Oh, oh il l'a fait. Ah non, c'est au compte, c'est au compte. Franchement, est-ce que les gens vous croyaient en lui honnêtement? Est-ce que vous pensez qu'il était à deux doigts de le faire?